Bienvenue sur le forum des lecteurs France Bleu, La Montagne, Corrèze Télévision, un forum qui a pour thème le sens de la vie, avec comme invité Alma Brami pour J'aurais dû apporter des fleurs aux éditions Mercure de France, avec également Claude Almos pour son livre Est-ce ainsi que les hommes vivent aux éditions Fayard, et enfin François Roux pour Le bonheur national brut aux éditions Albin Michel, un forum des lecteurs animé une nouvelle fois par l'excellente Karine Papillot. D'année en année, je récupère un adjectif, hein, c'est ça. Bonjour à tous, merci de votre présence. C'est effectivement une rencontre consacrée au sens de la vie, mais au sens de la vie dans le contexte difficile de la crise. On peut aussi le modérer avec le livre de François Roux. Donc c'est une rencontre autour de la manière dont la société fait face à cette guerre d'un nouveau genre, la crise, stratégie pour survivre et en profiter, ou en profiter pour François Roux dans Le bonheur national brut. Donc, qui est votre deuxième roman. C'est toute une période que vous traversez, beaucoup plus que la séquence contemporaine. Il y a aussi l'image de soi et le comportement social chez Alma Brami, qui est comédienne, auteure de 6 romans, dont un remarqué Sans elle en 2008. Et ce roman, donc J'aurais dû apporter des fleurs au Mercure de France, qui est l'histoire d'un chômeur de 50 ans qu'on suit caméra sur l'épaule, on va dire. Et puis une réflexion aussi sur ce qu'est une violence comparable à une guerre. En tout cas, c'est cette réflexion que j'ai trouvée chez vous, Claude Almos, dans « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» chez Fayard. Mais ce serait réduire vos textes que d'introduire, comme je vous disais, cette rencontre ainsi, entrons dans le vif du sujet, avec Alma Brami. Donc, il s'agit de Géraud. C'est un nom de famille, on le comprend par son nom de famille dès le départ, qui a 50 ans, au chômage, et il croise un copain d'enfance, par hasard, Étienne, qui est marié à Ninja ou à Un Chéri, enfin une femme qui s'appelle Janine, et que vous appelez dans le livre Un Chéri, qui a réussi et qui l'invite à dîner. Donc il y a deux mondes qui se croisent. Quel était le propos de votre livre, Alma ? Alors en fait, ce qui m'intéressait, c'était d'être dans la peau d'un homme, un homme qui se sent handicapé par lui-même, qui souffre de ce qu'il est. C'est un homme qui n'est pas marié, qui n'a pas d'enfant, qui se sent gros, qui se sent laid. Et en plus, il vient d'être licencié. Et il a l'impression d'être inutile et de ne pas avoir de place dans la société. Et sa difficulté, c'est qu'il a une voix intérieure cynique, noire, lucide. Peut-être par moments trop lucide, avec une certaine violence. Et en même temps, il a un besoin de se montrer au monde d'une façon parfaite, édulcorée au possible, en étant hyper poli. Et c'est ce décalage-là en permanence dans mon livre que j'ai essayé de mener jusqu'au bout. Alors justement, à l'intérieur, il est dans le grondement, dans le sarcasme, un regard amer et très drôle en même temps sur les choses, puisque c'est lui qui nomme la femme de son vieux copain Un Chéri, puisque elle existe par l'interpellation que son mari fait d'elle en permanence. Et puis, dans la réalité, dès qu'il ouvre la bouche ou dans les actes qu'il effectue, c'est une sorte de soumission à ce que la société semble vouloir attendre de lui. Est-ce que c'est son état de chômeur qui le rend, qui le castre de ses désirs et de sa propre volonté ? Pourquoi vous avez mis en scène cette dualité ? Alors, c'est pas forcément le fait qu'il soit chômeur, parce qu'il le reste très peu dans le livre. Il va pouvoir travailler dans une petite épicerie. Oui, mais de façon très humiliante, quand même. Oui, en tout cas, il le vit comme ça. Il le vit comme une situation humiliante, parce que son patron a l'âge d'être son fils, parce qu'il aimerait être quelqu'un d'autre et qu'il n'est que lui-même. Mais en même temps, il a aussi la difficulté d'être sous l'emprise d'une mère qui est... assez détestable par certains abords. En tout cas, elle lui fait peser son échec. Elle aurait pu être une immense comédienne, elle aurait pu se marier avec Gabin, Marlène Dietrich n'aurait jamais existé si elle avait été là, et elle lui fait peser tout ça. Et donc Géraud, qui a perdu son prénom, il est résumé en permanence dans le livre à Géraud. Il n'est plus que ce nom de famille, justement, qui est lourd à porter. Et il a cette difficulté-là de se sentir, de trouver sa place dans le monde et de rencontrer ses amis qui sont en couple, l'homme qui n'arrête pas de dire à sa femme « un chéri », ça le blesse, parce que lui, il n'a rien su construire de sa vie.
et il se sent pas aimé, il se sent pas désirable et il se sent pas à la bonne place, tout simplement. Alors, il y a deux mondes. Le monde de l'échec social à travers cet homme de 50 ans qui traverse une situation difficile, et y compris quand il est employé par le neveu de son copain, qui est un jeune loup un peu désagréable et vain, on va dire. Et puis, il y a l'autre côté, le côté des gens qui ont réussi à travers le couple de son ami et de un chéri. Et de ce côté-là non plus, en fait, on ne trouve pas l'élan vital, la libido. Le désir est cadenassé chez Géraud, mais on a l'impression que ce n'est pas non plus très, très enviable du côté bourgeois qui a réussi. Ce qui était intéressant pour moi, c'était de travailler sur la vision qu'il en a et en fait l'interprétation qu'il en a et à quel point la réalité n'est pas du tout ce qu'il a imaginé. Et c'est un homme qui est tout le temps dans « j'aurais dû », il ne sait pas comment agir, il est mal à l'aise, il a l'impression de ne pas posséder les codes de la société. Et quand il se retrouve, par exemple, tout au début chez ces amis-là, lui, il imagine qu'on va lui demander d'enlever ses chaussures, qu'il y aura un parquet ciré magnifique, que tout sera parfait et qu'il ne sera pas à la hauteur. Et la réalité va le cueillir parce qu'il se rend compte qu'il y a une moquette épaisse, que son ami est en chaussettes et que finalement les choses ne sont pas du tout comme il les avait imaginées. Et mon livre, c'est toujours ça, c'est l'oscillation de son interprétation, de son fantasme de la réalité et de la vraie réalité qui le rattrape. Alors, page 125, il gagne un prénom. Donc au cours des 125 pages, est-ce qu'il y a dans le livre un mouvement ? Vers quoi va-t-il ? Et est-ce qu'au fond, la vraie quête n'est pas la reconquête de l'estime de soi dans ce livre ? Exactement. Il regagne son prénom à un mauvais moment, mais en tout cas, petit à petit, son regard sur lui-même va changer. Il va commencer à se rendre compte que son interprétation sur les choses est toujours erronée. Et il va être... il va commencer à pouvoir avoir une lecture de la réalité un petit peu plus en adéquation avec ce qu'il vit, et donc être moins dans le fantasme et dans son sentiment d'humiliation qu'il éprouve. Alors Claude Almos, ce Géraud, est-ce que au fond ça pourrait être un cas d'école de votre livre, parce que on le retrouve au fond dans les multiples cas de figure, enfin c'est pas un livre de cas, c'est pas une étude de cas, mais enfin à travers tout ce que vous brossez comme conséquence de la violence sur la société contemporaine, Géraud s'inscrit parfaitement dans ce que vous montrez. En tout cas, ce qu'Alma Brami a très bien montré, c'est comment l'échec social de cet homme, mais qui n'est d'ailleurs pas un échec, qui est que cet homme est confronté à ce à quoi des millions de gens aujourd'hui sont confrontés, à savoir le chômage, comment ça l'atteint très profondément personnellement et comment ça lui donne notamment l'impression qu'il n'a plus aucune valeur, qu'il est rien et que par rapport aux autres, il est rien. Et c'est vrai que moi, j'ai écrit ce livre, Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Parce que je crois qu'aujourd'hui, enfin je crois pas, je suis sûre, des millions de gens vivent ce genre de souffrance et qu'on n'en parle pas parce qu'elles sont sous-estimées. C'est-à-dire qu'on s'imagine dans notre société que les gens se construisent dans leur vie privée et que c'est ça l'essentiel. C'est-à-dire, voilà, ils ont une vie privée, une colonne vertébrale, et puis ils ont, parce qu'il faut bien vivre, ils ont une vie sociale, une vie professionnelle, etc. Et donc, quand ils sont atteints dans leur vie sociale, on a le sentiment général qu'ils sont atteints dans un avoir, ils ont un truc en moins, si on peut dire, une chose en moins, mais que ça ne les atteint pas dans votre être, dans leur être. Et moi, mon livre montre, je démontre que ce n'est pas vrai. Un être humain, c'est quelqu'un qui se construit dans sa vie privée pour moitié et pour l'autre moitié dans sa vie sociale. Et je dis qu'un être humain, c'est quelqu'un qui a une double colonne vertébrale psychique, même si le terme est évidemment un peu impropre, mais peu importe, qui est moitié sociale et moitié privée. C'est-à-dire c'est comme un arbre
qui aurait un double tronc, un tronc privé et un tronc social. Et quand il est atteint dans sa vie sociale de façon très grave, c'est-à-dire pas seulement un chômage temporaire, mais un chômage, par exemple, avec l'idée que plus jamais il va retrouver du travail, ce qui est le cas, encore une fois, de millions de gens aujourd'hui, eh bien, c'est comme s'il était, d'une certaine façon, hémiplégique, c'est-à-dire que la moitié de lui-même ne fonctionne plus. Alors, il a une très mauvaise image de lui, il a le sentiment qu'il n'a plus aucune valeur, c'est-à-dire comment, même si on est reconnu par son entourage, reconnu par ses enfants, reconnu par ses amis, par son compagnon, sa compagne, comment est-ce qu'on peut penser qu'on a une valeur si, dans la société, personne n'est plus prêt à vous donner une somme d'argent pour payer vos compétences? Évidemment, c'est impossible. Et en écrivant ça, je me suis rendu compte que pour vraiment expliquer l'importance de ça, il fallait en passer par la construction de l'enfant. Et il y a dans mon livre un énorme chapitre, enfin plusieurs chapitres même, sur lesquels la presse s'est assez peu attardée, et je le regrette, qui est la construction de l'enfant comme être social à partir de l'école. Et je le regrette parce que moi-même, qui reçois des enfants depuis tant d'années, de travailler là-dessus, où il n'y a aucune référence théorique par ailleurs, ça m'a appris des choses, ça m'a montré une dimension du problème que je sous-estimais. Et je pense que c'est une partie qui est extrêmement importante pour les parents, pour les grands-parents, pour tous ceux qui accompagnent l'enfant dans cet apprentissage de la vie sociale et surtout dans cette construction de lui comme être social. On parlait il y a 5 minutes en aparté avec Alma, elle me disait que ça l'avait frappé ce que je dis du nom, comment le nom par exemple est quelque chose qui devient public dans le social, et ensuite c'est avec cette construction-là que l'enfant, quand il devient grand, il aborde la vie de l'entreprise, et c'est donc absolument fondamental. En fait, ce livre, il dépend beaucoup plus de, il interroge beaucoup plus le rapport à l'éducation nationale. Enfin, c'est plus l'éducation nationale qui devrait lire ce livre pour remettre en question aussi les schémas, dans la mesure où, évidemment, ça se passe beaucoup dans la famille. Mais vous parlez beaucoup de la relation de l'enfant dans le milieu scolaire. D'abord, l'image qu'il donne à ses camarades, mais aussi le fait qu'avoir une bonne note introduit une relation de dépendance au jugement de l'enseignant. On a une bonne note pour faire plaisir. On est toujours par rapport à... Et que c'est très compliqué de construire la satisfaction ou l'estime de soi de l'enfant. Simplement, j'ai une bonne note, c'est bon pour moi. Et ça, c'est une chose qui apparemment conditionne en partie le rapport à la vie professionnelle. C'est-à-dire que ce qui se passe... Quand un enfant arrive à l'école, moi je situe ça au niveau du CP, parce que quand même la maternelle, c'est un peu un sas. Quand il arrive, avant qu'il n'arrive à l'école, on l'aime pour ce qu'il est. On l'aime ou on l'aime pas, on sait bien, mais en tout cas, c'est pour ce qu'il est. À partir de l'école, ce qu'il découvre, c'est qu'on est apprécié et valorisé en fonction de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a, un faire entre l'enseignant et l'élève. Et c'est la même chose qu'il y aura plus tard dans la vie sociale, et qui fait que quand le chômage prive quelqu'un de sa capacité de faire, vraiment, on le prive de toute possibilité de démontrer sa valeur, d'où les atteintes psychologiques extrêmement profondes. Mais ce que je veux dire aussi de ce livre, c'est qu'on en a aussi beaucoup fait dans la presse un livre qui parlerait du chômage. Bien sûr, ça parle du chômage, mais ça parle des angoisses aussi de tous les gens aujourd'hui, de tous les gens, même ceux qu'on considère comme des bourgeois plutôt nantis, tous ces gens qui ont un appartement, une maison, un toit sur la tête, de quoi manger, ils ont encore un salaire, et qui aujourd'hui vivent dans l'inquiétude et forcément font vivre leurs enfants dans l'inquiétude. Et ces gens sont inquiets d'une part pour eux, même si ça va pour eux, tout le monde sait aujourd'hui qu'il est sur un siège éjectable du point de vue de l'emploi, et sont inquiets pour leurs enfants parce que autrefois on faisait faire des études à ces enfants et on pensait que ils étaient sur des rails, et aujourd'hui ça n'est plus vrai. Et mon livre n'est pas seulement un livre de psy comme ça, j'ai fait un énorme travail de documentation. Donc il y a vraiment les chiffres de ces milliers et millions de jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, et c'est terrifiant pour les parents. Donc c'est vraiment un livre qui montre comment, et c'est pour ça que comment tout le monde dans un pays en crise est touché par la crise, à des degrés divers, mais comme tout le monde est touché, et comme ça suscite chez tout le monde des souffrances psychologiques, mais gravissimes, qui peuvent mener à la dépression. Et on sait, pour avoir étudié des crises dans d'autres pays, que les dépressions, on les a en général avec 2 ans de retard, voire des suicides. Et c'est quelque chose de vraiment très grave, sur quoi il faut ouvrir les yeux, parce que sinon, on va au-devant d'années qui vont être vraiment extrêmement douloureuses pour tout le monde.
Vous voulez dire que la crise façonne un rapport au monde chez les adultes qu'ils vont transmettre ensuite à leurs enfants ? C'est-à-dire, d'une part, c'est les enfants qui vivent dans une famille où leurs parents sont inquiets. Évidemment, ils sentent une inquiétude et ça les fait vivre dans une angoisse. Ça, c'est clair. En plus, très souvent, les parents ont honte parce que le problème, comme on ne parle pas de cette crise, de ce qui se passe et du fait que c'est le monde qui est malade et pas les gens, et que ce monde malade rend les gens malades, les gens ont honte. Ils s'imaginent qu'ils sont faibles, qui sont pas compétents, qu'il y en a d'autres qui trouveraient du travail à leur place et tout. Donc ils ont honte pour expliquer les choses à leurs enfants. Et on sait bien, en tout cas moi qui reçois encore une fois des enfants depuis si longtemps, je sais bien que quand un enfant voit ses parents malheureux, d'une part il essaye de les aider, mais souvent il pense que c'est de sa faute parce qu'il se demande ce qu'il a fait pour que ses parents soient aussi malheureux. Et en plus, les parents sont inquiets pour lui. Et si on n'explique pas à l'enfant pourquoi on est inquiet, il peut tout à fait penser que ses parents pensent qu'il n'est pas compétent et que donc il n'arrivera à rien, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Donc il y a vraiment aujourd'hui des tonnes et des tonnes de souffrances qui ne sont pas comprises et pas prises en compte parce que pas comprises. Alors vous dites, confrontés à des problèmes graves, les êtres humains redeviennent souvent, sans le savoir, les petits-enfants qu'ils ont été, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on imagine ce que c'est que se dire peut-être que mon entreprise va fermer, peut-être qu'on va renvoyer des cadres et que même si je suis un cadre supérieur, on va me renvoyer. On ne peut rien faire contre ça. C'est-à-dire dans une situation où il n'y aurait pas la crise, on saurait que... Si cette entreprise ne veut pas de moi, il y en a bien une autre qui voudra de moi. Mais aujourd'hui, vu le nombre des chômeurs à partir d'un certain âge, mais même avant, on sait bien que c'est pas gagné. Donc on se sent totalement impuissant devant la pauvreté, devant l'appauvrissement. On ne parle pas de l'appauvrissement. Il y a des gens, je parle beaucoup de la pauvreté, mais il y a aussi, je parle de l'appauvrissement. Ces gens qui ne sont pas encore du tout pauvres, mais qui ont peur de le devenir, ou en tout cas d'être déclassés. Mais on est face à un rouleau compresseur de la société. Et on se sent impuissant. Or, chacun d'entre nous a vécu une époque où seul il ne pouvait rien et où il y avait le monde qui était si effrayant autour, c'est son état de nourrisson. Et je dis que la crise fabrique des nourrissons impuissants. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de psys qui se sont emparés de ce sujet-là. Hein. Je crois même que vous êtes la première. Il y a quelque chose de gênant quand même dans cette société où les victimes donc de la crise, d'une certaine manière, deviennent coupables. C'est-à-dire qu'on leur fait porter une responsabilité à l'opprobre, en tout cas, de la situation qu'on vit au sens général. Est-ce que c'est pas pervers ? En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on est passé, j'analyse ça dans le livre en me servant de texte de référence, on est passé du chômeur victime et du pauvre qui était une victime, on avait de la compassion, il fallait l'aider, à quelqu'un qui serait coupable. C'est les déclarations... tous azimuts sur le fait que si les chômeurs n'ont pas de travail, c'est qu'ils n'en cherchent pas assez, etc. C'est quelque chose d'absolument terrible pour ceux qui entendent ça. Et c'est vrai que face à ça, parce que mon livre se contente pas de déplorer et de dénoncer, c'est vraiment expliquer que par rapport à ça, il faut vraiment que les gens comprennent qu'ils sont ni incompétents, ni fragiles, ni rien, qu'ils reprennent confiance en eux et qu'ils retrouvent la voie du combat avec d'autres, la voie du collectif. Parce que face à une situation dramatique, que ce soit une guerre ou une crise, on ne s'en sort pas tout seul. Même si on est très fort, on s'en sort avec les autres. Est-ce que est-ce qu'au moins il n'y a pas un message à retirer ? Un des messages à retirer, ce serait d'être très attentif à construire dans sa famille l'estime de soi de ses enfants. Est-ce que l'une des clés de la solidité psychique n'est pas justement se situe pas dans l'enfance, dans le travail qu'on fait avec ses enfants ? Oui, mais pour arriver à ce que les enfants aient une bonne image d'eux-mêmes, bien sûr, il faut les aider, mais il faut aussi qu'ils sentent que leurs parents ont une bonne image d'eux-mêmes. Vous savez, Françoise Dolto racontait toujours « Moi, mon père, il est gendarme », elle mettait des traits d'union, vous savez, ce truc de cours de récré. « Moi, mon père, il est... » pour montrer comment l'image que les enfants ont de leurs parents et que la société leur renvoie de leurs parents, ça participe de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. C'est un point d'appui pour se construire. Si mon père est quelqu'un de bien, si ma mère est quelqu'un de bien, alors je suis quelqu'un de bien. Et comme c'est dramatique, quand on renvoie à des enfants l'idée que leurs parents sont des gens pas bien. Et donc, bien sûr qu'il faut les aider à ça. Et pour les aider à ça, il faut leur expliquer la réalité. Mais il faudrait déjà que les adultes comprennent l'importance qu'a cette réalité pour eux. Merci Claude Almos.
François Roux, alors vous avez mis en scène, et j'utilise le mot à dessein puisque vous êtes metteur en scène au départ et toujours à l'arrivée d'ailleurs, outre maintenant que vous êtes écrivain. Donc le Bonheur National Brut, c'est un parcours de copains qu'on croise à différents moments de leur vie. Quel était votre projet littéraire ? J'avais envie de raconter j'aime beaucoup l'idée de destin et qui se prolonge très longtemps, c'est-à-dire de pas simplement de s'intéresser à une période de la vie qui soit une chronique, mais de regarder ce que deviennent les gens c'est sur une trentaine d'années, donc c'est quatre destins croisés pendant 30 ans. Ils ont 17 ans en 80. Ils ont 17 ou 18 ans en 1981 et j'observe ce qu'ils deviennent et quels sont leurs parcours, comment est-ce qu'ils se construisent en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'ils abandonnent de leur rêve d'adolescent, et j'ai su pendant 30 ans. Ce qui m'intéressait aussi, c'était d'utiliser le terreau économique, social, politique de ces années-là pour entremêler en fait ces quatre destins et l'histoire de la France. Donc je pars en fait de 1981, qui me paraît être du 10 mai 1981, qui me paraît être un élément déclencheur en tout cas d'une certaine manière de penser. La France se transforme nécessairement à partir de ces années-là. Et c'est aussi le 10 mai 81, lui porteur soit d'espoir pour un certain nombre de gens, dans la majorité en l'occurrence, parce que François Mitterrand a été élu, soit c'était une catastrophe pour d'autres, mais en tout cas c'était un élément qui était un élément extrêmement fort d'un point de vue sociétal. Et ce qui m'intéressait, c'était d'observer à ce moment-là, le 10 mai 81, comment ces quatre jeunes, dont certains sont très politisés, comment est-ce qu'ils vont évoluer et comment est-ce qu'ils vont grandir et ce qui va advenir de leurs rêves, encore une fois de plus. Alors, au départ, certains ont des idéaux, d'autres moins. Comment est-ce que le malaxage social les fait évoluer La vie, quoi, les 30 ans. Oui, chacun a son poids. Je suis très intéressé par le travail de Claude, qui me renvoie à des choses aussi, parce que moi ce que j'aime bien traiter par exemple c'est le poids de la famille, comment est-ce qu'on arrive à... En fait c'est un livre qui je me suis à un moment posé la question de mais comment est-ce qu'on peut être heureux finalement, c'est la question qu'on se pose tous, c'est la question qu'on se pose depuis des siècles, depuis Pascal qui disait chacun a le droit d'être heureux et chacun doit revendiquer ce droit. C'est comment est-ce qu'on peut être heureux dans la société qui nous a formés, qui nous a construits, et surtout comment on peut être heureux maintenant, à cette époque-là. Donc chacun a un peu sa méthode pour être heureux. Moi, je décris effectivement quelqu'un, par exemple, qui va faire de la politique. Donc, ce qui m'intéressait, c'était aussi de montrer la difficulté que c'est... Parce qu'on décrit beaucoup la politique, mais je pense que tout ce qui se passe autour de la discrimination de l'homme politique, c'est quelque chose qui n'est pas forcément favorable à la démocratie, par exemple. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de montrer ce parcours qui est semé d'embûches, qui est plein de trahison, qui est plein d'espoir et Rodolphe. Qui est plein de désespoir, Rodolphe. Un autre va s'intéresser à l'entreprise, donc là je rejoins aussi ce dont parle Claude. C'est montrer à un moment donné aussi qu'est-ce que ça veut dire travailler vraiment dans une entreprise, qu'est-ce que c'est le harcèlement, la souffrance au travail. Il y a effectivement à un moment donné un des personnages qui n'est pas un personnage principal, mais qui se suicide dans son travail, et ça a des conséquences évident sur la vie personnelle de celui en fait qu'il a licencié, parce qu'il est licencié, il se tue parce qu'il est licencié. Et puis j'aborde aussi d'autres sujets. Moi je viens du cinéma, du théâtre, donc il y a un des personnages qui va devenir comédien, un autre qui va devenir un grand photographe. Ce sont des microcosmes en fait qui permettent aussi de parler qui démontrent des facettes de la société contemporaine que moi j'avais envie d'aborder parce que je les connais bien, et du coup je me sentais assez légitime pour en parler aussi de cette manière-là. Comment on se lance dans une fresque comme celle-là ? Qu'est-ce que ça requiert en termes d'investissement, de remise en question de soi, de questionnement ? D'abord, c'est beaucoup de temps. Moi, j'ai passé beaucoup de temps aussi à m'entretenir avec des gens, avec des politiques, avec des médecins, avec des avocats, parce qu'à un moment donné, je parle par exemple de paradis fiscaux. Donc, il y a eu toute une série d'entretiens que j'ai menés préalablement à l'écriture. Donc ça, c'est des informations que j'ai ensuite transcrites et qui m'ont servi en particulier à construire des personnages. Après, j'ai beaucoup lu sur cette époque. J'ai aussi j'ai utilisé le filon Internet que tout le monde connaît bien parce que ça donne accès à des articles, à une somme d'articles très conséquente. Donc voilà, je me suis imprégné de l'époque, donc de 81 à 2012, et ensuite
j'ai moi, en utilisant cette base un peu scientifique, on va dire journalistique, j'ai construit moi, avec mon propre imaginaire, les destins de ces quatre hommes que j'entremêle, donc qui sont purement fictionnels, et que j'entremêle d'éléments qui sont des éléments incontestables, politiques, économiques, et que j'ai glané en interviewant des gens, en lisant des choses. Alors la fiction raconte le réel. En quoi les idéaux, qui étaient très forts en 81, étaient une manière, malgré tout, une espèce de souffle qui permettait peut-être de traverser un peu mieux qu'aujourd'hui l'angoisse de la déchéance sociale? En fait, ça a été un souffle qui a été relativement court. On a très très vite été à bout de souffle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là, mais dès 83... Non, j'étais pas née. Dès 84, en tout cas, on parlait déjà, sans le nommer, de la rigueur. Donc cet enthousiasme incroyable qu'il y a eu, ce mouvement fédérateur autour de l'arrivée de François Mitterrand, a très vite été mis à mal. On a commencé à désenchanter très très vite. Enfin, et voilà, par exemple, Jacques Delors, qui était le ministre de l'économie et des finances de l'époque, disait déjà fin 81 qu'il fallait arrêter le bal des réformes, alors qu'on n'avait pas encore mis en place la retraite à 60 ans, les 39 heures, etc. Donc déjà, il y avait des éléments qui faisaient que... Des gens qui disaient qu'il fallait freiner. Donc ensuite, ça n'était qu'une série de freinages ou de dérapages qui ont construit... Par exemple, je parle beaucoup de la circulation de l'argent à cette époque-là. On a vu apparaître des gens comme Bernard Tapie, qui sont des éléments... Des gens qui n'auraient jamais pu apparaître avant, qui n'auraient jamais pu avoir les fonctions qu'ils ont eues. Parce que c'était une époque qui favorisait ça, finalement. C'était très paradoxal et presque, excusez-moi, schizophrénique. Il y avait cette double vision où on était socialiste, mais on n'a jamais autant parlé d'argent. Et on a construit des instruments financiers, d'ailleurs, en 83-86. Par exemple, le MATIF, qui est le marché à terme des instruments financiers, c'est les premiers éléments qui ont en fait favorisé l'émergence des outils qui ont mené à cet argent fou. Et l'émergence du verbe avoir, finalement. Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on peut encore parler de crise? Est-ce que ce n'est pas finalement une mutation sociale que nous vivons une crise? C'est un moment circonscrit dans le temps qui amène vers une libération, une amélioration, un changement positif. En tout cas, on retrouve un élan après une crise. Là, la crise, elle dure, ça fait 20 ans qu'on nous parle de crise. Est-ce qu'on est encore dans une crise ou est-ce que c'est finalement une espèce de déréliction sociale à laquelle nous devons nous habituer ou combattre? Mais enfin, est-ce qu'on parle encore de crise? Oui, on parle encore, excusez-moi Claude, on parle encore de crise, sauf que maintenant on arrive à une crise structurelle. Donc, tous les économistes s'accordent pour dire que voilà, le chômage sera bientôt de manière endémique autour des 10% en France. Donc ce qu'il faut essayer de construire, c'est quelque chose qui ressemble à une société différente, peut-être, avec des outils différents. Il y a beaucoup de gens qui se penchent en ce moment sur ce qu'est la valeur, la richesse, reconsidérer toutes ces valeurs-là. Donc ce qu'il faut travailler, c'est imaginer quelque chose d'autre qui soit différent et qui nous sorte de ce pessimisme extrêmement français en plus, parce que voilà, il y a un sondage qui en 2013 qui montre que les Français sont les plus pessimistes au monde devant les Irakiens ou les Afghans, oui, parce qu'ils ont une vision de leur propre pays qui est extrêmement négative. Donc peut-être déjà... Les Irakiens ayant tout perdu, ils sont forcés à l'optimisme. Peut-être, hein. En tout cas, c'est un élément intéressant. Oui, moi, je suis toujours très en colère, pas contre vous, rassurez-vous, quand on parle de pessimisme, parce que pessimisme, ça suppose que c'est une vision subjective des choses. Moi, je crois que les Français sont tout à fait réalistes et qu'il y a aujourd'hui un tellement grand nombre d'entre eux qui vit tellement difficilement et les autres qui ont tellement peur de vivre aussi difficilement que c'est pas du pessimisme, c'est une vision objective de la réalité, à mon avis. Et je crois que ce que vous dites très justement, Karine, cette crise qui n'en est plus vraiment une puisque ça va durer, ça pose la question de bien comprendre les problèmes psychologiques auxquels sont affrontés les gens dans ce genre de situation, de façon à pouvoir les aider à s'en sortir, parce que c'est ça le but, hein. En tout cas le but de mon livre, c'est ça, c'est comment on peut comprendre ce qui se passe pour s'en sortir, pas pour le plaisir de décortiquer les choses, mais vraiment comment on peut armer les gens pour qu'ils ne sombrent pas psychologiquement en plus de leurs problèmes matériels. C'est vraiment ça l'enjeu. À niveau collectif, est-ce que finalement c'est pas un mot à réhabiliter? On parle beaucoup de liberté, égalité,
On parle de solidarité, qui touche, ce mot touche plutôt un moment de crise, justement. La solidarité, c'est aider quelqu'un dans un moment donné. Est-ce que ce n'est pas le mot fraternité? Alors, c'est pas, vous ne faites pas de préconisation de marchand de rêve, mais est-ce qu'au fond, à un niveau individuel, il y a une prise en charge, à un niveau collectif, il y a une reconnaissance de la situation? Est-ce qu'une des voies ne serait pas la fraternité, c'est-à-dire un regard sur l'autre dans une plus grande douceur, ou en tout cas une plus grande indulgence les uns vis-à-vis des autres? Ou est-ce que je suis un petit peu hippie? Après, on peut gloser sur les mots, mais peu importe, je crois qu'il faut se rendre compte de ce que je disais tout à l'heure. Quand il y a une situation dramatique, quelle qu'elle soit, une maladie, un deuil, une situation économique difficile, on s'en sort pas tout seul, c'est pas vrai. On s'en sort avec les autres, parce que les autres, ils vous donnent, mais on reçoit, mais aussi on donne. Et quand on donne, on se rend compte qu'on n'est pas rien. Alors que très souvent, quand on est accablé, on a l'impression qu'on n'est rien. Et c'est ça le collectif. Et puis parce qu'aussi, pour se battre, pour trouver des solutions, etc., bah, faut se mettre à plusieurs. Aujourd'hui, toutes ces théories qui nous parlent du personnel, de l'épanouissement personnel, ça n'a pas de sens dans une situation comme celle-là. Il faut se mettre à plusieurs, il faut retrouver la voie du collectif. Et si le collectif d'avant, ça ne plaît pas, il faut en inventer un autre. Alma, dernier mot? Oui, pour répondre à ce que vous venez de dire, justement, dans mon livre, on l'aide, mon personnage. Et justement, il éprouve de la honte parce qu'on l'aide. Et il se sent... il n'a pas envie d'être dans un besoin de l'autre. Il aimerait qu'on le regarde comme quelqu'un qui se suffit à lui-même. Et c'est aussi ça la difficulté, c'est... rendre service à l'autre, ça peut être aussi un poids. Donc il faut savoir bien le faire et au bon moment. Voilà. Je crois que Claude Admos, c'est la construction d'individus et aussi la solution dans le collectif, l'un sans l'autre. Et ben, la preuve dans votre livre, ça ne marche pas. En tout cas, merci. Merci à tous pour votre attention. Merci Alma Brahmi. Merci. Donc on vous retrouve sur votre stand du Mercure de France. J'aurais dû apporter des fleurs. François Roux, Le Bonheur National Brut, chez Albin Michel et Claude Almos. Est-ce ainsi que les hommes vivent? La question reste posée. À nous y répondre chez Fayard. Merci à tous pour votre attention.